Le ministre du Tourisme, Lahsen Haddad, a présidé mercredi à Rabat les travaux du conseil d'administration de l'Office national marocain du tourisme pour l'examen du bilan des réalisations et activités de l'ONMT au titre de l'année 2013 et la présentation du plan d'action triennal pour la période 2014-2016. Le travail de l'ONMT, c'est de promouvoir la destination Maroc dans les marchés, que ce soit traditionnel ou les marchés émergents. Donc le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est un travail colossal, important. Il faut saluer les efforts qui ont été consentis par l'Office. Je crois que les orientations stratégiques, c'est d'avoir une progression de 8% pour les trois années à venir. Mais ceci nécessite le déploiement de moyens importants, aussi bien au niveau de la communication, qu'au niveau de la conquête de nouveaux marchés. Et également, ça porte sur l'aérien au niveau de pas mal de destinations et de marchés importants. Donc ce sont des orientations importantes que nous allons travailler aujourd'hui pour tracer, si vous voulez, la feuille de route pour le travail de l'ONMT pour les trois années à venir. La destination Maroc jouit d'une excellente image, à la fois en termes de stabilité, également de ses atouts touristiques. Le Maroc a été primé en termes qualité au niveau de plusieurs établissements hôteliers. Et c'est le pays, en tout cas, le troisième pays au monde le plus accueillant. Il a également bénéficié d'excellents reportages sur CNN ainsi que de grandes chaînes de télévision. Donc l'année 2014, notre ambition, c'est une progression de chiffres en termes d'arrivée de touristes et en jouant à la fois sur l'aérien, la communication et la distribution. Et bien entendu, tout cela en cohérence et en partenariat très étroit avec les professionnels marocains du tourisme, parce que ce partenariat est absolument essentiel pour la réussite de la vision 2020. S'agissant de la promotion du marché domestique qui représente en moyenne 30% des nuitées enregistrées au niveau des établissements d'hébergement classés, l'ONMT mise sur un taux de croissance annuel moyen de 10% en termes de nuitées pour la période 2014-2016 à travers l'intensification des campagnes de communication et des offres packagées via le réseau des agences de voyage.